Comme la presse parle, télévisée, écrite en ligne qui là, jeudi qui 17 juin 2024, nous présent Jérémy pour nous venir annoncer lancement phase finale travail qui permet que nous ayons un réseau de l'eau tout neuf pour moun centre-ville Jérémy avec toute zone avoisine nature joindre bon de l'eau potable pour bon. Et nous parler de dernière phase, est-ce que ça veut dire pour autant que tout bagage est OK par rapport à un jeu avant? Oui, première phase là c'était adduction, ça veut dire que prendre l'eau dans un paquet de sources faire arriver dans deux ou bien trois réservoirs qui étaient là déjà. Il y a une qui est dans la zone Coralie. Donc, l'autre phase là, c'était une phase que bon film espagnol a commencé, il n'est pas fini. La phase ça a coûté environ 2,8 millions de dollars américains. Mais le film ça a été l'encadré mal, il était obligé de quitter le pays après la mort du président. Mais après négociation avec BAEA, coopération espagnole, nous entrons dans la phase finale là. C'est deux films haïtiennes qui m'ont connu pour eux. Parce que nous-mêmes, l'en là, depuis l'en nous entrons dans le dîner en 2017, eh bien, nous faisons nombre de films. Ils ont passé de 7 à plus que 50 films. Et toutes 50 ça, c'est films haïtiennes au niveau national. Et bien, c'est ça qui fait que le dîner n'est pas présent dans tout le pays. Là, parce que plus les films haïtiennes ont expérience, plus les films haïtiennes ont une opportunité pour participer dans l'appel d'offres, c'est plus de travail qui fait et c'est plus ça vient bénéfique pour la population. Et je ne vais pas citer 50 films, mais oui, film Jérémy, c'est deux films qui m'a connu pour eux. Et c'est un film qui est le plan consul, c'est lui qui a réalisé réseau de l'eau, la Tibolière, la deuxième section communale Jérémy. Et c'est lui-même qui a réalisé travail ça dans la zone dans l'Ascaroba sans partie, à Kaye, c'est lui qui a réalisé l'asile, c'est lui qui a réalisé le cabaret. Donc, l'autre film là, c'est Bégès. Son l'autre film encore qui fait même expérience là en dans du Népal qui a réalisé même travail ça yo. Donc c'est deux films qui qu'on habitué travailler ensemble. C'est que youn pote ou du plus par rapport à l'autre. Et durée de travail c'est 8 mois. Film l'ancien contrat déjà nous gain pour balle ordre de démarrage fin mois de juin là pour premier jusqu'à deuxième semaine mois de juillet pour nous voir film là commencer chantier parce que moi même au plus tard 14 août m'a retourné là faut moi que gien travail qu'a fait projet ça a coûté environ 173 millions de gouttes bon partie qu'a payé en dollars 80% reste 20% c'est en gouttes mais lundi 173 millions cobla. Pas n'importe quel directeur général là. Directeur général là, pas qu'à dépenser sans le baguette 10 ans barrière. Et comme la Panamé, film là tout. Donc c'est à partir de travail fourni que film là a touché Pati Mosso jusqu'à ce qu'il finisse travailler. Durée projet, c'est 8 mois. En termes de participation, c'est que la population continue à collaboration. Et accompagner Fimio, technicien yo, pour travailler capable de respecter la durée de travaux qui c'est 8 mois à partir de la première semaine du mois de juillet. Merci. C'est moi qui remercie. Merci. Ok, donc je peux saluer toute l'équipe de la presse là. Et je remercie pour la présence. Si vous venu couvrir le lancement de travaux réhabilitation réseau de potable Jérémy. Et non, pas c'est Philippe Eliska, c'est ingénieur et puis c'est directeur régional sud pour Dinepa. Donc, je travaille dans ce secteur depuis un bon temps et actuellement, je m'occupe du poste directeur régional sud. Là.
est-ce que tu as pensé au vol de projet à En fait, j'aime bien t'expliquer. Nous sommes un projet qui a démarré depuis l'année 2016. Son projet qui a gagné deux phases là-dedans, son phase adduction et une phase distribution. Donc, phase adduction, hein, il a été lancé en 2016, son film le Pharmex, qui a gagné contrat à Boule de Fel. Et pour les gens qui sont dans le domaine hydraulique, là, ça n'est la adduction. Hein, et bien, c'est le tronçon qui gagne entre source là et réservoir. C'est-à-dire qu'il y a des tuyaux qui sont posés pour prendre l'eau dans la source là, mener dans le réservoir là. Et c'est à partir du réservoir que vous allez faire distribution. Donc, dans la phase d'adduction, ça, il a fait réhabilitation ensemble de sources, de captage de sources, qui était déjà construit déjà dans l'année avant. Yo. Maintenant, mais avec le temps, le captage ça a été un problème, il a été endommagé. Donc, il a fait des travaux de réhabilitation là-dedans. Yo. Donc, on a parlé de sources de barras, on a parlé de maroutières, et puis on a parlé de Clément. Et puis, dans la même phase, ça a été construit un autre captage, et c'est dans la zone Martino, en façon pour être capable d'augmenter et capacité de production et système. Là. Donc, phase ça a été faite en 2000, contrat signé en 2016, travaux ont été démarrés en 2017, et puis ils ont été finis en juillet 2018. Et deuxième phase de travaux, qui c'est phase de distribution, hein, mais si on filme les INCATE MAC, qui a un contrat ça, et puis travaux ça a même été démarré vraiment en 2019. Mais il y a un pile retard à cause de situations sociopolitiques, problèmes PIA. INCATE MAC a rencontré un pile de difficultés pour avancer avec le travail. Mais ça vient de faire que l'arrivée en février 2023, INCATE MAC vient pas qu'à continuer encore à cause de problèmes sociaux. Et puis il était obligé de résilier le contrat à la même moment avec INCATE MAC. Et nous relançons l'autre marché pour être capable de sélectionner l'autre entreprise qui pourra finaliser les travaux. INCATE MAC est en réalisé 60% de travail ça yo, et actuellement nous avons un film, son consortium, BGS Plan Consul, qui au même bal finaliser travail ça yo, et ingénieur se présente nous qui ça bien pour faire comme travail, gain plus que 17 km tuyaux qui a posé, gain des poteaux d'incendie qui va placer et gain réfection chaussée qui va faire et puis gain tout des aménagements qui va faire au niveau et trois captages pour permettre que émergence bail plus d'eau pour permettre que gain plus d'eau qui vienne dans le réseau et fait permettre la population lui-même de joindre suffisamment d'eau pour répondre à besoin. Merci pour la question, parce que ça est très important. Et Dinepa n'est pas qu'à faire travail ça, sans appui, population sans appui, autorité locale. Ok? Je vous dis, nous avons besoin d'appui de la mairie, nous avons besoin d'appui de la délégation, nous avons besoin d'appui de la police, nous avons besoin d'appui du commissaire du gouvernement, nous avons besoin d'appui de toute autorité locale qui permettre que Dinepa réalise le travail. Donc, Dinepa comprend ça, c'est ça qu'il fait. Depuis avant même que le travail ait démarré, nous nous réunissons avec l'autorité locale, nous expliquons ce qu'il y a pour faire et nous faisons des recommandations. Et bien nous agissons sur les recommandations ça yo en façon pour tout le monde qui a le même niveau d'information, yo comprennent le projet à même gens et puis chaque monde dans le niveau par dans le champ de compétences par yo, yo capable de faire ça yo pour faire pour permettre le projet à avancer. Magistrat, je t'explique au là, tu as une autorisation pour nous joindre pour te permettre que contrat signé, et bien la mairie te fait ça bien pour le faire, lui permettre nous joindre autorisation nous avancer. Délégué à sont parlé là tout à l'heure, délégué à dire que là bail tout accompagnement, tout support pour permettre le projet avancer. La police, c'est pareil. Donc, effectivement, d'où est une synergie qui est développée et synergie, ça a commencé à développer. Et nous espérons que nous renforcer pour permettre que l'entreprise à nous-mêmes réalise le travail dans de bonnes conditions sans que et pas gagner de troubles dans la ville.